Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Politique intérieure, on a appris la démission discrète de la secrétaire, du sous-secrétaire d'État au secrétariat, une démission qui s'est concrétisée selon trois critères garde secret. Échange de propos peut amener cet après-midi à l'Assemblée entre messieurs Majprot et Chiche Maouret, respectivement députés du Haut-Rhin et rapporteurs auprès de la Commission des Finances. Violemment apostrophé par M. Majprot au sujet de la loi des finances 93, M. Chiche Maouret aurait répondu, je cite, « Je ne réponds pas aux têtes de nœuds ». Réponse de l'intéressé, c'est celui qui dit qui y est. À suivre, j'improvise, les temps sont morts, on se dépêche, je ne sais pas du tout quoi dire, c'est celui qui y est, qui y est. C'est celui qui l'a dit, pardon, qui est. C'est à 16h45 exactement que la nouvelle est tombée sur nos téléscripteurs. Fort heureusement, la nouvelle est indemne. Qu'a donné les téléscripteurs ? Ils n'ont qu'à déplorer qu'un léger choc sans gravité. Explosion meurtrière de gaz lors du 23e congrès des clowns et fantaisistes à Mulhouse. Oui, je l'ai dit, on déplore de nombreuses victimes. On déplore de nombreuses victimes. Je l'ai déjà dit, explosion fantastique. Notamment le clown Gros Biron qui savait tant nous faire rire, ou encore Pouet Pouet et Scooby-Doo, duo merveilleux, citons ensemble. Ah, les gros nez, les pieds plats, où ils sont partis, je les ai perdus. Les burnos girafons, qu'est-ce qui se passe? Et l'inoubliable Globilou Giga Banana, 24 morts. On enlève le stylo, s'il vous plaît, je ne peux plus improviser. Étrangers, étrangers, on revient sur les étrangers, s'il vous plaît. La volaille et les stocks de Vladivostok, TéléZ, le 7 avril, le 500e numéro, joyeux anniversaire. Monsieur Tsu à la ministre, je suis perdue. Impro, on coupe la bourse, journée mouvementée. Déteint la maison blanche, j'ai lavé sa voiture, elle était sale, le cochon. On arrête tout. À noter enfin, sur la deuxième marche de promotion sur les endives, et l'eau pas manquée d'Alibaba sur les 40 voleurs. Bravo. Bonsoir.